sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. It's the good life. What a fun seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you don't take a chance. So be honest with yourself, don't try to fake romance. Alors, t'es revenu? Dis-moi, après la raclée qu'on vous a mis l'an passé, ça t'a pas donné envie de changer d'air? La raclée? Non mais tu veux rigoler? Ta bande de pingouins face à ma bande de pyrénéens? Non mais sérieusement, au final, tu savais très bien qu'on avait plus de boutons. Alors déjà, ma bande, elle s'appelle les Aquitains. Et ta bande des Pyrénéens, tu devrais la rebaptiser la bande des Guignols. Parce que pour info, pour la plupart des boutons, vous les aviez volés. Et ça, c'est pas correct. Tu le sais très bien. Mais il n'y a jamais eu de règlement, tous les coups sont permis. Nos vieux se faisaient déjà leur guerre à eux, et crois-moi, mon père me l'a toujours dit, la fin justifie les moyens et la tricherie en fait partie. Eh bien justement, on pourrait faire évoluer notre bonne vieille guerre, la nôtre. Et tu penses à quoi? Ben plutôt que de se foutre sur la gueule et de se piquer nos boutons, surtout sur les fringues, il y en a de moins en moins. Soyons modernes, on n'a qu'à faire un Koh-Lanta Junior. Un Koh-Lanta Junior? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Chaque bande lance un défi sportif à l'autre équipe, on compte les points, et le vainqueur gagne le titre. Bon, d'accord. Je vais en parler à mon groupe. Et si c'est ok, rendez-vous demain dans la forêt à l'endroit habituel. D'ailleurs, puisque c'est ton idée, je te laisse lancer le premier défi. Ok, à demain. Pour moi, c'est déjà réglé. Je décide et mon groupe suit. Bon, ben, les guignols, à la revoyure. C'est ça, salut les pingouins. Alors, vous êtes prêts à relever le défi? Si tu expliquais d'abord de quoi il s'agit, on pourrait peut-être te répondre, non? C'est quoi ton denier contrebandier? Deux équipes. L'une contrebandier, elle doit passer les billets à son chef. L'autre, douanier, elle doit empêcher de faire passer les billets. Bon, d'accord. Et les billets, on peut se les mettre sur soi, j'imagine? Et dans le slip, on a le droit. Mais non, imbécile, pas dans les sous-vêtements. Enfin, je suppose. Alors, patouille au corps, on est bien d'accord. Sinon, ça va finir à la gifle. Ah, excellent film, La Gifle, Lino Aventura avec Adjani. Mais de quoi tu parles? Mais non, rien, c'est une association d'idées, comme je suis passionné de cinéma. Tess Anderson, il est génial. Enfin bon, on verra ça plus tard, on va déjà faire cette première épreuve. Ah oui, sinon, bien sûr, on planque pas les billets dans les sous-vêtements. Hé, hey, on limite le temps de fouille à une minute. Naturellement, seules les filles ont le droit de fouiller une autre fille. On n'est pas des pervers, quand même. Hey, attention, hein, pas de tricherie. Ouais, comment être sûr que vous n'allez pas tricher? On n'est pas des tricheurs, nous, contrairement à certains. J'ai pas oublié nos petites histoires de l'année dernière. Alors à ta place, je me ferai plus discret. Alors comment faire? Comment être sûr que personne ne va tricher? Moi, je propose que des adultes parmi nos parents jouent les arbitres. En tous les cas, pas de parents de chez eux. Ils trichent depuis qu'ils sont gamins. Mon père m'a raconté de belles anecdotes sur vos vieux. Ouais, et moi aussi j'en sais des choses. Franchement, y a pas de quoi être fier. Ouais, à ta place, je ferai pas la fière. On le sait, ton père est un tricheur. Pourquoi vous voulez vous disputer? J'en ai assez de la bagarre. Si j'aurais su, je serais pas venu. Eh, petit gibus, ça fait pas la guerre des boutons cette année. Faut se mettre à la page. C'est Koh-Lanta. Va voir ta mère qu'elle a été mouchée. Mais tu nous fais quoi, là? T'as même pas encore mué, mon pauvre garçon. Bon, ça va, on va en rester là et régler nos comptes en toute loyauté au douanier contrebandier.
en toute loyauté avec vous. La blague. Bon, ça va. Comment on s'organise? En deux manches, d'une heure chacune. On commence à être les contrebandiers, puis on change. L'équipe qui ramasse le plus de billets remporte l'épreuve. Et pour les limites du terrain de jeu? C'est tout simple, de barrière à barrière. Vous prenez celle qui ferme le sentier côté route, et nous, on prend celle côté camping. Bon, ben, voilà vos billets. Ah, dernier point. Un seul billet par passage. Et qui réceptionne les billets? Mais n'importe qui dans l'équipe, vous avez même le droit de changer en cours de partie. Moi, je voudrais bien prendre les billets, comme ça, je pourrais m'acheter des tas de bonbons. Mais c'est pas des vrais billets, gamin. Enfin, réfléchis. T'es vraiment naïf, pauvre petit. T'es pas obligé d'être désagréable. Oh, toi, ça va. Tes leçons de savoir-vivre, tu peux te les garder. Bon, cette année, on va pas se faire la guerre. On règle nos comptes avec des épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On commence le douanier contrebandier? Kelvin, on triche pas, on s'est engagé à respecter les règles. Tu planques ton billet ailleurs. Mais comment tu veux qu'ils sachent? Ils en sauront rien, arrête de faire du zèle. C'est elle la chef, tu te la fermes. Fais comme moi, plante tes billets dans les chaussures. C'est une très bonne cachette, je t'assure. Dans les oreilles, c'est mieux, hein. J'ai le droit, hein. T'es un petit, ils auront pas longtemps, toi. Comment ça? T'es le plus petit de la bande, ils vont pas faire grand-chose avec toi. Justement, c'est peut-être un avantage. On voudrait y faire passer plus de billets. C'est pas bête, ça. Bon, en attendant, Clovis va surveiller. On sait jamais qu'il nous espionne pas. Bon, je vous laisse. Je vais me mettre en place. Et si jamais vous vous faites rattraper, le mieux, c'est de jouer la montre. Vu qu'on s'est mis d'accord sur 2 minutes de flou maxi. 1 minute, normalement. Allez, viens jouer. C'est un super jeu. C'est le dernier contrebandier. En principe, ça plaît aux jeunes. C'est on se court après, on se cache... Mais je m'en fous de ton jeu débile, ça m'intéresse plus, vu que je peux plus cacher mes billets comme je veux. Écoute, t'essayes un petit peu, un tout petit quart d'heure, et puis si vraiment ça te plaît pas, je te fiche la paix, je te laisse tranquille, et puis tu pourras t'ennuyer tout seul. Ça marche comme ça? Tu l'as dit, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, ok? Mais je te promets que tu vas adorer, t'as ma parole, allez viens jouer. Lâche-moi ou je te mords jusqu'au sang. Rassure-moi, t'es pas débile, normalement tu dois aimer jouer au dernier contrebandier. Mais voilà, toi tu veux pas. Tu veux que je te dise? T'es le roi des emmerdeurs, un petit chien qui a décidé d'emmerder le monde. Très bien, reste là, prends racine, reste dans ton petit coin. T'es qu'un petit menteur, tu me gonfles. T'es qu'un menteur et en plus tu veux faire croire à tout le monde que t'as pas envie de jouer, mais en fait t'en crèves d'envie. Tu sais quoi, t'es qu'un petit menteur, le roi des emmerdeurs, t'es un menteur avec ton nez de Pinocchio qui s'allonge. Tu sais quoi, menteur, vas-y, menteur, viens jouer. Menteur, t'es qu'un petit menteur avec ton nez qui s'allonge. Menteur. Ok, je tourne. Comment il a enfoncé la mise, ma chatte? Dans les poches! Regardez! Non! Le temps est écoulé normalement. Ah ben, il m'en faut toucher! Non, elle était vraiment là! Je vous jure, mais vous avez pas trouvé! Dans celle-là? Oui. Rends-moi mon billet, je te donnerai des bonbons. On ne m'achète pas, moi. T'as les boules parce que j'ai trouvé ton billet. Bah moi, quand je m'en fais droignée, t'auras aucune chance. Ça, c'est ce qu'on verra. Et puis, c'est vite dit. Je suis une véritable petite souris, tu sais. C'est ça, rigole, tu rigoleras à moi tout à l'heure. Merci pour le billet. Et au fait, j'ai réfléchi. Les bonbons, c'est pas bon pour les dents. Comment on se retrouve? Pas trop déçu? On est en fin de jeu et tu te fais attraper. Ça va, t'es contente, t'as eu un coup de chance, c'est tout. Bon, t'as 1 minute, alors dépêche. D'abord, c'est 2 minutes. Et si tu es pressé, c'est pas compliqué. Donne-moi ton billet. Non, mais tu rêves? Tu peux toujours courir, ma grande. Et puis, si tu veux ton billet, faut déjà que tu le trouves. J'ai pas besoin de courir puisqu'il suffit de bien se cacher. Bon, puisque tu ne veux pas m'aider, tes chaussures, tes chaussettes. Fais pas la maline, toi. Attends que je devienne douanier à mon tour, je vais pas te rater. T'as intérêt à courir vite parce que tu vas souffrir, tu vas cracher tes poumons. D'accord, j'ai compris. Et toi, tu veux pas cracher le morceau et me dire où t'as mis le billet. Tiens, quelle bonne surprise. Et un billet de 500, merci beaucoup. Toi, je te jure, tu vas me le payer cher, très cher.
Tu vas regretter notre bonne bière, guerre des boutons. Tout à l'heure, toi, tu vas morfler. T'as pas le droit de tricher. Bah, je vais quand même faire. Merci. Le plus simple, c'est de nous dire où vous avez caché vos billets. Sans quoi, nous avons les moyens de vous faire parler. Vous avez 2 minutes pour la fouille et pas une seconde de plus. Je connais le règlement. Ça tombe bien, on a une top chrono. Ça va arrêter de nous prendre la tête avec le règlement. Hein. On le connaît vu que c'est nous qui l'appliquons. Allez, arrêtez de nous faire perdre du temps. Chaussures, chaussettes et t-shirts et que ça saute. J'espère que vous n'avez pas triché. Pas dans les sous-vêtements. On n'est pas des tricheurs, nous. Contrairement à certains. Bon, ça va, tu vas pas me fouiller pendant 2 heures, puisque je te dis que je l'ai perdu en cours de route. Et je suis censée te croire? Tu te fous de ma gueule, là. Allez, dis-moi où t'as planqué ton bien, on n'en parle plus. Non mais je rêve, et même si je l'avais, ce qui n'est pas le cas, jamais je te le dirai, enfin, réfléchis. Enfin, si tu peux. T'es comme ta mère, toujours raconter des histoires. Laisse ma mère en dehors de ça, compris? Et puis, on peut savoir d'où tu tiens cette information? Mais de ma mère, et elle sait de quoi elle parle, vu qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Ta mère raconte autant d'histoires que la mienne. Enfin, la tienne encore plus que la mienne. Vu qu'elle est concierge, ça explique tout. La tienne, elle est coiffeuse. Et coiffeuse, elle passe leur temps à papoter, à tailler en quatre n'importe qui. Au lieu de débiter de telles sottises, tu ferais mieux de t'activer, ma vieille. D'accord, enlève tes chaussures et tes chaussettes. T'as intérêt à te manier, il te reste 1 minute et je regarde ma montre. C'est pour nous. Vous êtes lui, monsieur, plus la peine de courir. Espèce de débile, si tu m'étais pas rentré dedans, il serait encore à nous courir derrière. Tu peux pas faire gaffe, non? Oh, ça va, j'ai trébuché et j'ai perdu l'équilibre. Et puis, de toute façon, tu courais trop près de moi, c'est de ta faute. Ma faute est bien bonne, celle-là. Pauvre tâche. Ah non, je te rappelle que c'est la tâche sans tâche qui tâche. Ah, très marrant, je vois pas ce qu'il y a de drôle, franchement. Une minute de fouille comme le règlement nous y autorise dans le douanier contrebandier, en caleçon. Non, et ça va pas bien, il manquerait plus que ça. Et ma dignité alors. Remarquez, il y a une meilleure solution. Vous gardez votre dignité et vous nous donnez vos billets. Ainsi, tout le monde est gagnant. Tenez mon billet, et pour mon cher cousin, c'est dans les chaussettes. Bravo cousin, à moindre menace, tu cèdes. T'es vraiment qu'un lâche, doublé d'une tâche. Sans tâche qui tâche. Bon, c'est bon. Allez, prenez ce billet et tirez-vous. Mais oui, monseigneur, à votre service. Allez, go. Ah merde, je vais pas cacher. De 500 en plus. C'est bien ma petite. Tu l'as pris à qui? À personne, je l'ai trouvé par terre. Et moi je suis maline. J'ai remarqué qu'ils laissent tomber extra leur billet avant d'être rattrapés. Alors là, bravo hein. Attrapez-le. Ça m'énerve. Ah, Yahoo! 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 Yahoo
go, go. Merde, il y a un ours qui s'échappe. Mais gros, il y en a. On n'est pas en vacances. Tiens, on est en vacances. Cinquante, cinquante, cent, cent, cinquante, deux cents, quatre cents, ça craint les gars, quatre cent cinquante, cinq cents, mille, deux mille. Je parie que c'est le Brésil qui va gagner, j'en fais mes favoris. Va pas trop vite, c'est pas encore fait. C'est nous les champions, on a la même couleur que le Brésil. Pour deux Kinder et un Mars, je te parie l'Allemagne. Moi je te parie que c'est la France qui va gagner la Coupe du Monde. Et il y a quand même le Nigeria à passer avant. Le Nigeria, vas-y, on va les battre. Écoute, je suis le chef, point. On ne va pas recommencer comme les années précédentes. La petite guerre à coups de bâton dans les bois, terminée. Je te rappelle que l'année dernière, on a eu un gros pépin. Attends, deux points de suture pour se provoquer une mine. C'était pas bien méchant, hein. Et puis mon père, il dit que c'est trop sportive. C'est plus dans l'esprit de la tradition familiale. Eux, avant, ils revivaient une vraie guerre des boutons. C'est plus cool. Faut vivre avec son temps. On est en 2014. Plus dans les années 60, 70, 80. Il faut savoir renouveler les traditions. Aujourd'hui, les grands jeux, les défis sportifs, ben, c'est plus moderne que la guerre des clochers de nos parents. Allez, j'ai une épreuve qui se rapproche un peu de nos grandes batailles de l'an passé. C'était cool d'arracher des boutons et d'accrocher aux arbres. C'est dommage. Allez, juste une. Bon, je vais y réfléchir, mais je ne te promets rien. Mais là, sois gentil. Arrête de me prendre la tête. Surtout que depuis ce matin, j'ai une foutue migraine. Qui a fait ça? Je vais être clair, net et précis. C'est qui? Oh, ça va, on faisait juste un concours de jongle. Ouais, un concours de jongle. Oh, ça va, c'est pas bien grave, foulard la paix. Je te remercie de ton aide. Viens là, deux secondes. Il y a des règles au sein d'une équipe. Et une des plus importantes, c'est de ne jamais se contredire devant les autres. Tu comprends? C'est anti-pédagogique. On en reparlera ce soir à la réunion du groupe. Mais je voulais pas te contredire. Au contraire, t'aider, je te sens un peu tendue. Je suis tendue, mais j'ai surtout mal au crâne. Tu vois, j'ai à peine 14 ans et je dois diriger tout notre groupe. Alors j'ai besoin qu'on me soutienne, pas qu'on me prenne la tête. Oh, je suis désolée, c'est parce que j'arrive pas à doser ma force. Tu l'as fait exprès? Ah, tu sais pas doser? On va s'expliquer. Nouvelle épreuve. Va prévenir ta bande, on vous défie sur une partie de foot. Vous, dans vos couleurs de poussin, et nous, rouges de colère, dans une heure. On va voir si tu sais doser, poussin. Ah, le foot, le foot, le foot. Ils ne savent parler que de ça. Pauvre garçon. Bonjour, à niveau. Moi, je dois supporter un père supporter de Marseille et un grand frère qui supporte le PSG. Je vous explique pas l'ambiance ce soir de match. C'est du n'importe quoi. En plus, il y a la Coupe du Monde de foot à la télé. Plus moyen de regarder Joséphine Ange gardienne. Et moi, j'arrive plus à suivre Secret History. Ça m'écœure grave. Comment peut-on déprogrammer un tel programme? Un vrai scandale. Ouais, t'as raison, j'ai le même problème avec ma série Unforgettable. À cause de ces foutues matchs, tous les épisodes sont reportés. Ah, c'est marrant! Moi aussi, je regarde cette série. Enfin, un replay sur mon ordi. Normalement, j'ai pas le droit. Et au fait, Caria, ils ont retrouvé l'assassin de cette femme retrouvée sur la plage. À mon avis, c'est un tueur en série. Mais c'est hyper violent comme série. Regarde plutôt, tiens, Secret Story. C'est très reposant, y a pas besoin de réfléchir. Non, ça c'est sûr, tu risques pas la surchauffe au niveau du cerveau. Mais toi Lily, alors là j'en reviens pas. Comment à ton âge tu peux suivre une série pareille? C'est hyper violent. Tes parents te laissent vraiment regarder? Mais c'est qui, Carial? C'est des agents du FBI, tu vois, je sais. Moi je crois pas, elle nous fait marcher. C'est son frère qui a dû lui parler de la série. D'abord on dit FBI, mais t'es trop jeune pour comprendre ces histoires. Vaut mieux que tu regardes Joséphine Ange Gardien. C'est bien pour toi, c'est beau et c'est magique. Ah, ils sont vraiment trop cool avec toi. Déjà que pour moi, il faut que je ramène des super bonnes notes. Et encore, c'est parce qu'ils les enregistrent.
qui regarde avant et qu'après j'ai le droit. Et encore seulement le week-end. Oh, ça va, pas besoin de raconter ta vie, hein. Tu faut pas regarder n'importe quoi à l'âge que t'as, ça peut être traumatisant. Oh, ça va, maman, je regarde ce que je veux, ok? Non, à l'âge que tu as, une telle série pourrait te perturber. Regarde plutôt Secret Story, là tu risques rien. Bon, ça va, tu vas pas nous gonfler avec ce programme débile. Mais tu sais, faut pas te fâcher, on dit ça pour t'éviter d'avoir des nuits difficiles. Avec tous ces meurtres et ces horreurs, faut pas regarder, mais tes parents te laissent vraiment regarder. Bah, après tout, c'est ton problème. Foute-le. J'arrive pas à contrôler ma force. Ça va, pas trop mal? Oh. Ah, j'ai marre de prendre balle en pleine figure. Si je reste là, je serais pas venu. Allez, c'est rien, ça fait mal sur mon main, mais après on n'y pense plus. Allez, faut rester cool. Allez, reste, on s'amuse bien. Mais putain, vous pouvez pas faire gaffe, merde! Croyez, faut bien rester zen. Toi, la ferme. Je déclare ouvert notre jeu Aventura. Que le meilleur gagne. Sans tricherie et dans un bon esprit. Je déclare au nom de l'équipe que nous relevons votre défi dans le respect de loyauté et dans l'esprit de nos aînés pour que notre guerre des colons, nouvelle version, soit honorable et conforme à une bonne déontologie qui exclut tout acte malveillant. J'ai pas tout compris, mais qu'est-ce que c'est bien dit? Moi, j'ai tout compris, jusqu'à théontologie. Mais bon, on s'en fout du moment qu'on s'amuse. Et qu'on les batte surtout. Ouais, t'as raison. Droite ou droit, cours! Cours! Bah, c'est bon, vous mettez ta droite. Où ça? Ta gauche, débile. Moi, pourquoi? Pas
parce que j'arrête pas de perdre. Et alors, c'est pas important ça, t'as 3 épreuves pour te refaire. C'est peut-être pas important pour moi, mais pour toi, mais pour moi, faire équipe avec cette petite, comment tu veux que je gagne? Et moi je suis pas bien, et la petite non plus, mais toi tu t'en fous de la petite. Allez, c'est qu'un jeu. Et la bondo et Marie est toujours content. Alors on a qu'à lui refiler la petite. Mais à gauche. Allez, cours, cours, cours. 3, 2, 1, go! Mon père me l'a déjà dit, déjà que ta mère trichait à mort pendant qu'ils faisaient leur guerre. T'es sa fille, y a pas de doute. Et toi, ton père qui n'a pas hésité à voler tous ses boutons, gagnait son champ de bataille. J'aurais honte à ta place. Mais le vol, c'est loyal en tant que guerre. C'est une ruse. Hé, hey, t'as pas le droit, je vais le dire. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? C'est pas juste, t'as au moins 15 ans et moi à peine 10, c'est pas équilibré. Mais c'est pas une épreuve où là je compte, t'as toutes tes chances contre moi. Et puis attends, t'as juste à trouver un jeton dans la farine avec ta bouche. Dis-moi, en quoi avec 5 ans de plus, je vais être avantagée? T'as une plus grande bouche, d'ailleurs rien qu'à t'entendre, ça se voit, ça crève les yeux et les tympans. Dis-moi, dans le style, je dis des grosses conneries, je pense que t'as déjà gagné, hein. Bon, ça va les filles, on y va. 3, 2, 1, partez! Bah voyons, te gêne pas surtout. Rajoute des pièces pendant que tu y es. Comme ça, elle est sûre d'en trouver une. Bah elle a que 6 ans la petite, faut bien l'aider un peu quand même. Hein. 6 ans ou pas, la règle est la même pour tout le monde. T'es pas d'accord Lily? Moi ça me dérange pas qu'il y ait d'autres pièces. Tu m'étonnes, ça risque pas de te déranger, c'est sûr. Bon ça va, on va pas se disputer pour ça. Il a juste voulu l'aider, histoire d'équilibrer un peu. Tu vois ton problème? C'est que t'es juge est parti. Pourquoi tu dois partir? Toi tu commences à me gonfler sérieusement, hein. Tu le sais ça? Je suis pas le seul à le penser. Et toi, tu sais ce que t'es? Une gueule d'enfariné.
n'importe quoi. La natation devant le tennis. On est plus nombreux au tennis. Et la natation, ça reste un sport confidentiel. Non mais c'est toi qui dis n'importe quoi. T'as vu le nombre de reportages à la télé? C'est la qualité et la passion qui comptent. Le meilleur sport, c'est le judo. J'ai déjà ma ceinture jaune. C'est bien, on est content de l'apprendre. Eh, les gars, le sport le plus spectaculaire, c'est le mien. Ah ouais? Et c'est quoi ton sport? Le rugby. C'est de loin celui qui assure le mieux le spectacle. La preuve avec Chabal. D'abord, ton Chabal, il a pris sa retraite. Et tu devrais faire gaffe à ton oreille, à ton nez et à tout le reste. Parce que le rugby, c'est prendre des coups. Nous, au judo, on est les meilleurs. On a Teddy Riner. En natation, on a Yannick Agnel et Camille Lacour. Les deux réunis, ça vaut bien ton Teddy Riner. Et vous, en tennis, vous savez qui pour gagner Roland-Garros? Hélas, personne. Il y a 31 ans qu'on n'a pas gagné depuis Yannick Noah. Mais comment faire? Comment battre ce monstre de Nadal? C'est parce que vos joueurs au tennis, ils sont pas assez agressifs. Nous, au rugby, on sait ce que c'est le combat. Non, sérieux, je dis des conneries, t'en as deux comme ça? Tu te rends compte? Je lui ai proposé de passer nos vacances ensemble à Narbonne-Plage. On a une belle villa et elle a refusé. Cécile, elle aime l'imprévu. Et toi, t'organises tout. En gros, t'as tout faux, mon vieux. Normal qu'elle ait envie de changer d'air. Oui, résultat, elle m'a planté et nous voilà ici pour la 5e année d'affilée. Hein. C'est logique qu'elle a envie de réfléchir, non? Mais pourquoi tu râles? C'est sympa ici. Oui, elle m'a juste dit qu'elle voulait faire un break et dire que j'avais tout prévu. Randonnée à cheval, bivouac, escalade. J'ai même envisagé une visite de musée. Vous allez me dire que c'est nul, ça? Non, mais tu fais tout le temps les mêmes choses. Mais au fait, pourquoi vous n'êtes pas au camping avec nous cette année? C'est vrai, ça? Pourquoi vous êtes à l'hôtel? C'est à cause de ma mère, elle ne supportait plus de se taper la vaisselle, le ménage. Alors mon père, une fois de plus, lui a cédé. Nous, on aide notre mère au moins. On la laisse pas en galère à tout gérer dans le mobil-homme. Moi, je mets toujours la table, le couteau à droite et la fourchette à gauche. Ouais, c'est bien, je compte d'en l'apprendre. Tu vois, si t'avais aidé ta mère, vous serez encore au camping avec nous. Et pour se retrouver avec toute la bande, ce serait moins compliqué. Quelle importance! L'essentiel, c'est que notre petite bande soit toujours là et qu'on relève les défis avec les autres. Pourquoi on ne fait pas la paix avec eux? C'est pas toujours marrant de faire la guerre. Mais c'est pas la guerre cette année! C'est des épreuves sportives, un peu comme Koh-Lanta. Tu sais, comme à la télé. C'est plutôt cool, non? Ouais, c'est une super idée. J'en avais marre de ces petites guerres dans les bois. Chaque année, on faisait la même chose. Enfin, du changement. Le changement, c'est maintenant! Mais en plus, ça vient de chez nous. C'est pas les autres neuneux qui auraient trouvé une idée pareille. Ouais, et on peut être fiers de nous. Regarde là. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non, mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? On a rien de moins. On a même plutôt plus, mais ce qu'on a de plus, c'est un trop. Mais qu'est-ce qu'ils nous reprochent, les mecs? On a habillé à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, l'apparence. Un mec, il est plus intelligent que ça, non? N'empêche que la dernière fois en boîte, il n'y a aucun mec qui t'a adressé la parole. Dimanche, j'avais mis ma belle tenue. Belle tenue? C'est vidi. Elle était limite du ridicule. Celle en velours orange avec ta chemise à japeau et tes chaussures à haut talons. Bah, évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Les mecs, ils venaient pas, ils n'osaient pas. Ils étaient impressionnés. Ah bah, faut dire que t'étais impressionnante. Et toi, t'en as eu beaucoup de mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Pourtant, moi, je suis pas difficile, j'en ai pas eu beaucoup non plus. Puis moi, quand je rencontre un garçon, je lui fais sentir que je suis pas intéressée. Ça marche? Non, il s'intéresse pas à moi. Oh, I'm alive. Yeah.
T'as de la chance de devenir avec tes parents. Moi, je dois me farcir à mes cousins. J'avais prévenu mes parents, surtout pas avec eux. Bon, on y gagne sur la location parce qu'ils payent la moitié, mais on bousille les vacances. La première chose qu'ils ont faite quand ils sont arrivés, c'est de louer une télé. Alors là, c'est très bien entendu sur les programmes. On a regardé les leurs. Voilà. Moi qui aime les infos, ben, je peux te dire, je n'ai pas vu la couleur. Il aurait pu y avoir deux guerres mondiales. Nous, on l'aurait pas su. T'inquiète, t'es pas le seul. Moi, je dois me farcir à les bidouches. L'autre jour, j'ai attaqué mon dessert. Et le père bidouche, lui, s'est attaqué les ongles des pieds. Et bah, vous, c'est dégueulasse hein, de faire ça à table. Hein. Et après, c'est la mère bidouche. Qu'elle pèle, je m'en fous. Mais au moins, elle arrêtera de me parler en espagnol pour voir si je maîtrise ma seconde langue. Hein. Avec C2, c'était la guerre du feu en direct. Hein. Et après, je me suis tapé la table à débarrasser après le repas. Génial. Toi, t'as les bidouches, moi j'ai les bidochons. Qu'est-ce qu'ils sont crades ! Le matin, quand tu veux te laver, vaut mieux passer avant eux. Sinon, tu te laves à l'eau de mer, c'est moins dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils trafiquent dans cette salle de bain, mais je pense pas qu'ils se lavent. Enfin, pas lui en tout cas, parce qu'alors... Alors là, une horreur, une infection. Mais bon, je peux rien dire. Parce que tu me vois dire à sa femme, excusez-moi, mais je crois que votre mari, il pue ! Toi, t'as les odeurs, moi j'ai le bruit. Le mobilium des bidouches est juste à côté du mien. La mère bidouche, elle ronfle, mais elle ronfle comme une vache. Je sais pas comment elle fait pour faire autant de bruit à elle toute seule. Hein. C'est ce que me dit le petit bidouchon. Je trouve que tu bronzes pas facilement. Mais bon, pour que je bronze, il aurait fallu déjà que je me mette au soleil. Que j'ai le temps. Mais bon, vu qu'avec le temps, j'en manque. Puis quand je la regarde, avec ce teint mat, cette coupe de cheveux loupée, la marque des lunettes en plus, elle me fait peur. On t'a parlé de Miss Tinguette, c'est la chaîne des bidouches. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle pisse. Et elle pisse. Elle pisse partout, même dans le mobilhome. Et t'as une chance sur une, à peu près, faut pas marcher dedans. Hein. Hier, je me suis bu une tasse, moi, là, quand un abruti qui faisait une bombe. Et là, je me suis dit, ah non, en plus jamais j'irai dans une piscine de camping. La prochaine fois, je préfère encore aller à la montagne. Choisi par hasard le camping ? Pas tout à fait. On est tombé en panne pas loin d'ici et on s'est retrouvé obligé de s'installer ici faute de place dans les hôtels. Mais remarque, je regrette pas. Moi j'adore le camping, je me suis jamais autant amusée. Mais comment vous avez fait ? Il faut réserver à l'avance pour avoir un mobilhome. C'est un certain Jonathan qui nous héberge, mais je crois que vous connaissez, non ? Ah ça, pour le connaître, il se fait appeler Jonathan Holland et un bon conseil, ne lui confiez pas un secret. Sans quoi, tout le camping est au courant de l'heure. Une vraie pipelette, ce type. Je peux rien lui confier. Moi, je lui ai parlé d'un problème avec mon voisin de mobilhome. Et bien, il a fini par le savoir. Bonjour, c'est moi, Clovis. Ouais, mais bon, c'est un brave type. Et puis, comme ses parents sont absents, il nous dépanne. Et on en profite pour avoir de nouveaux amis. Et pourquoi pas un petit copain occasionnel ? Vous, les garçons, vous les préférez comment ? Je dirais marrant et assez distingué, avec une bonne éducation, quoi. Moi, je les aime quand ils me font rire. Et surtout, plus important que tout, mignon, avec un petit nez. J'adore. Eh bien, c'est ton biais, c'est tout à fait moi, ça.
Et toi, comment tu les préfères, les garçons ? Grand, blond, avec les yeux bleus et aux cheveux très courts. Le nazi, quoi. Ça vous dérangerait pas de répondre quand on vous parle ? Vous n'êtes que des filles mal élevées et insignifiantes, finalement. Pourquoi vous adressez la parole ? Non, mais ça va pas bien à côté ? Il a un malaise, le peignoir. C'est chaud tout d'un coup, je vais aller me baigner. Mais comment peut-on être si grossier ? Laisse le pauvre, il manque d'éducation, c'est pas de sa faute. Et alors on embête les filles comme ça ? Oh ça va, foutez-moi la paix. On va te foutre la paix, on veut juste que tu nous dises si l'eau de la piscine n'est pas trop froide. Je te rappelle qu'on a une épreuve dans la piscine tout à l'heure. Pourquoi vous lui faites ça ? On fait pas la guerre cette année. C'est pas cool, il vous a rien fait, Clovis. À nous, il nous a rien fait. Mais avec les filles, il a pas été poli. Alors punition, plouf plouf. Et puis ça lui fera de l'entraînement. Tout à l'heure, il y a une épreuve mouillée. Tu te crois marrant, bouffon, va. Mais c'est pas sympa de parler comme ça. Tiens, toi aussi, t'as besoin d'entraînement. Laissez-moi tranquille, sinon je vous le dirai à mon père. Alors, on a besoin de son petit papa ? On peut pas se débrouiller comme un grand ? Vous êtes que des glaces, hein, vous prenant un des plus petits que vous. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il a pas changé, toujours à se perdre. Quel pénible! Ouais, ça c'est vrai. Et tu savais que la Gigi, elle a un nouveau copain? Mais de quelle Gigi tu parles? Mais tu sais, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger de popotin. Ah oui? Elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule, avec son nouveau copain, Jesse qui s'appelle. Mais bon, après tout, il a bien cherché, tu crois pas? Comment ça? Ben, tu te souviens pas? Pourquoi? Je devrais?
Un peu, oui. Rappelle-toi l'année dernière, lors de la soirée quand on a fait la boum, Sati, tu as invité Charlotte devant Gigi. Ça y est, tu t'es remis maintenant? Ah oui, je me souviens. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes, c'était mérité. Et qu'elle se soit trouvée un nouveau copain, c'est une bonne chose. Ouais, ça c'est vrai. Et puis nous, on est tranquille. Pas de garçon, pas de problème. Ah ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourquoi tu ne téléphones pas? À qui? Bah Kevin, qui d'autre? Pour savoir si elle est retournée auprès de lui. C'est ça, je ne lui ai pas parlé depuis 2 jours et je lui ai dit est-ce que Gigi, que je t'ai piqué, est revenue auprès de toi? Au moins, tu seras fixé. Moi, j'ai appelé Benjamin. Je lui ai demandé s'il était parti avec Cindy. Il a dit oui, il l'a raccroché. J'ai été fixé. Tu veux que je l'appelle? Il ne va pas se méfier du tout. J'essaie seulement de t'aider. Tu sais pas, mais elle n'est sûrement pas retournée le voir. Ça t'en sais rien, mais j'insiste pas. Bonne chance. Mais tu devrais te méfier de Kevin, c'est un beau parleur. Et il marche à la Duracell. C'est une marque de piles très efficace et de longue durée. Faustine. Oui? Si je te dis précisément ce que tu dois lui dire, tu crois que tu peux le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour une conne. Et bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? On pourrait se servir du projet de chanson qu'ils ont écrit ensemble pour le spectacle de fin de séjour. Oui? Fais-toi appeler Leblanc, et tu es la fille du responsable des animations camping. Tu as lu le texte de la chanson et tu es d'accord pour qu'il se produise pour le spectacle. Oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, tu lui demanderas où tu peux joindre sa partenaire pour la chanson. Mais quel partenaire? Mais Gigi, je t'ai dit qu'ils avaient écrit cette chanson.